En mode freestyle, car quand on aime freeze, on a du style. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi pour le freestyle numéro je ne sais pas combien. On est au freestyle plus de 10, je pense. On fait des défis parce que les aggros, c'est pas possible de trouver sur roulette. Donc, on est face à un crasse 216, 4183 points de vie. Donc, niveau opti, bah, 16, c'est pas terrible non plus, mais il a quand même pas mal de vitalité et il a l'air d'être R, donc Abso, etc. Pilou aussi. Donc voilà, ça c'est tout le topo de l'histoire. Donc un crasse c'est plutôt chiant à jouer parce qu'il va pouvoir eh bien, tout simplement nous enlever de la PO, etc. Je me demande si non, bien sûr je pense que je ne le chope pas niveau PO. Donc du coup on va lui donner tous les PM à notre petit ami d'Opel, notre à notre cher ami d'Opel, parce que petit ami, nous ne sommes pas zoophiles. Et le d'Opel qui va donc aller faire des petits bluffs. Je l'ai boosté exprès. Donc des petits bluffs à 221, 218. Je l'ai boosté tout simplement pour qu'il aille le choper. Hein. Moi j'ai pas la PO, mais le d'Opel a la PO. Donc c'est vrai que voilà, œil de taupe, c'était prévisible. Plus les cinglantes, etc. Les absos pour se régénérer, pourquoi pas. Par contre, il va vite regretter s'il voit, si quand il va se rendre compte qu'il a pas tué mon d'Opel. Hein. Bon, bah on va jouer avec nos PM. De toute façon, on n'a pas beaucoup de PO. Là, c'est évident. Donc, faut qu'on aille le chercher. Et pour ça, ben, faut qu'on utilise nos PM. Hop, je vais le booster. Je vais booster mon Doppel encore une fois, tout simplement pour qu'il aille, taper. Moi, je peux pas taper, mais lui, il peut taper. C'est ça qui est cool. Bon, je me rapproche de plus en plus du Kra. Là, je vais. S'il fait une erreur, je pourrais peut-être le choper prochain tour. Par contre, roulette 2 PM, ça c'est pas très très cool. Oh là là, il a les flèches de recul, etc. C'est abusé ça. En plus, il arrive à me choper un PM. Alors, oh là 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 là. Je sais pas si vous venez de voir, mais la roulette 450 AJ, ça, c'est pas cool du tout. Donc, eh bien, tout simplement, on va tenter le tout pour le tout, chance des cas. On va booster le Doppel. Le Doppel, ça serait bien qu'il ait la PO pour le choper, là. Ça serait une bonne idée, mon petit Dopou. Mon petit Doppel, hein? Allez, va le chercher, là. Va chercher la PO, là. Oh là là, t'as pas la PO! Mange à couille! Mange à couille! Bon, Paul Arctic, pour le moment, ça me dit bien parce que Paul Arctic, il se fait niquer par mon Doppel, il a toujours pas niqué, donc voilà. Oh là là, il a flèche de recul à moins 700, j'ai vraiment pas de chance! Mais soigne-moi! Soigne-moi! Ah, il a enfin compris qu'il fallait taper mon Doppel. Oh là là, mais la chance des cas qui m'a pas du tout soigné. Oh là là, j'ai pas de chance, hein. Ah, là par contre, ça s'annonce peut-être un peu mieux pour moi. Ça s'annonce peut-être un peu mieux pour moi. Je suis quand même obligé d'utiliser comment ça s'appelle? Un odorat, voilà, excusez-moi. J'ai eu un petit trou, mais on va pouvoir lui mettre deux bluffs à moins 394 et moins 328. On va pouvoir aller se cacher là. Le Doppel, il va pouvoir aller taper avec deux bluffs lui aussi. Bon, deux petits bluffs. Ouh, non, 266. En même temps, il y a la roulette chance. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La flèche de dispé de la part de Paul Arctic. Flèche de recul. Flèche cinglante. Il m'enlève des PM, etc. Alors là, par contre, j'ai moult, moult, moult PA. Mais malheureusement, je vais devoir utiliser des PM pour pouvoir aller toucher le petit Kra. Le petit Kra, Kra, Kra. Donc on va le jouer au top cage. 354. 354 x 3, au moins ça c'est clair, c'est rond. Prochain tour, il me tue pas. J'espère que le Doppel va le tuer. On va bien voir. Alors,
Petit Doppel, fais-moi rêver. Oh bah oui, easy. Bon, en tout cas, bien joué de la part de Paul Arctic. Un petit créer, c'était plutôt sympathique. Et on se retrouve pour un autre combat. Alors, on se retrouve contre Ferrix. Ferrix. Un petit Sacri 199 en 12-5. Je sais pas, Sacri quel élément. Peut-être feu, je sais pas. En tout cas, j'ai une initiative. On est en défi, on n'est pas en aggro. Parce que les aggros, c'est plutôt difficile à trouver. Alors, on va se booster. On va lui mettre direct cash un double récup, comme ça au moins ça c'est fait, j'ai envie de dire. Elle sait à quoi s'attendre comme ça. Alors, double récup. Et j'ai pas fait gaffe à ma roulette. C'est une 50 coups critiques et les récaps qui passent en 3 et 2 tours. Alors, ce qui serait cool, c'est qu'on lui mette genre plein de récaps dans la gueule, genre trop méchant. Genre vraiment, vraiment méchant. Ça serait bien que je réfléchisse à comment. Ouh, l'épée, ça serait bien qu'elle joue pas, l'épée volante. Ça serait plutôt cool. Oui, vas-y, ne joue pas, ne joue pas! Ne joue pas! Ma petite épée volante, ne joue pas! Nickel, ça. Avec les bugs invocation, ça c'est nickel. Alors. Oh yeah, oh yeah, beau gosse. Alors, petite roulette. À 400 agilité. Ouh, j'aurais peut-être dû rester pour le jouer réflexe, mais non. Je vais le jouer récop. On va le full jouer récop. Et faut que je regarde. Un récap qui tombe dans un tour et deux récaps qui tombent dans trois tours. Ouh, ça m'arrange pas parce que voilà, elle va me choper comme ça et je vais prendre plutôt cher. Bon, c'est cool, si les récaps tombent, etc. Alors, je vais juste répondre à Oscar Nage. Oui, je défie ATT. Je vais juste lui répondre. Et un récap à 649 qui tombe, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Premier récap qui tombe. On va le destin. Hop. Est-ce qu'on peut se barrer? Nickel, on peut se barrer. Alors, 50 coups critiques. Oula, 3 récops qui tombent dans 2 tours. C'est plutôt extraordinaire, ça. C'est même limite inattendu. Il va prendre très très cher. Moi, j'en connais un qui va se faire sodomiser. Crois qu'il s'appelle Féricle. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il va prendre cher. Alors, Sandopou, non merci, je n'en veux pas. Bien qu'on peut toujours lui mettre un petit Dopou en plus. Ce que je vais faire, je vais lancer une perception histoire de me booster un peu plus. Et je vais fuir. Car je trouve que c'est la meilleure des solutions pour éviter la pupu, et en plus il a plus de PM grâce au destin. Et là attention, gros récap prochain tour qui tombe. Alors là ça va faire mal. Hein. Là va y avoir du dégât les gens. Hein. Oh là 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 là. Il y a du 2000 qui va tomber là. Je le sens bien, je le sens bien. Entre 1500 et 2000. Entre 1500 et 2000, ça peut être plutôt cool. Ça peut même être limite kiffant. Oh les pires failles, il invoque la kawatt. Histoire de pouvoir lancer sa punie. Ah bah si tu restes là, tu vas pas pouvoir lancer ta punie, pauvre petit sacri. Hein. Boum! 1800! Ah bah là, tu peux pas lancer ta punie parce que, hop, je vais me booster, je vais faire en sorte que tu puisses pas la lancer. Petit réflexe, histoire 2 à 358, et deux petits bluffs, histoire de le réduire encore un peu plus. Voilà, au moins je suis tranquille, là il lui reste 458 points de vie, donc même la punie là. Ça fera pas beaucoup d'effet. Ouh, l'épée automée customisée en Gul'tar avec les Mimibiotes. C'est plutôt stylé. Et là, par contre, le récap qui va le tuer. J'avais pas fait gaffe qu'il restait encore un récap, mais ouh, c'était plutôt stylé. Hein. J'avais jamais fait gaffe à ça. Qu'on pouvait taper avec l'épée Gul'tar. Quand, en tout cas, quand on avait customisé un corps à corps avec un Mimibiote, voilà. Et bien, tout simplement, ça le mettait en combat aussi. C'est plutôt stylé. Donc, on se retrouve face à un petit Yop tout Liberta.
En 10-5, donc là vraiment un petit hop qu'on va jouer. Il a des résis comment ce petit hop? Il a des résis haut surtout. Oula, il a mal choisi son. Il a mal choisi son chrome. Donc on va jouer top cage cette fois-ci. On va le jouer de loin parce qu'un yop c'est assez dangereux, on va dire, au corps à corps. En plus, avec précipitation, etc. Là, il va lancer tous ses boosts, vitalité. Bon, il monte à 3000, il a pas monté vitalité, il me semble. Parce qu'il a pas monté. Bon, il a pas beaucoup de vita, mais ce qui veut dire pas beaucoup de vita dit aussi en général beaucoup de rocks. Donc, on va éviter de faire trop le malin. 5 PO, bon, ça c'est plutôt cool par contre. On va éviter de faire trop le malin. Et plutôt essayer de le tenir à distance. Et même voilà, on peut même se permettre de courir encore. Parce que nous on a la PO et pas lui. Bon, même si on n'a pas non plus énorme de PO, hein, je vous avoue. Là il va devoir bon. Et je suis même pas sûr qu'avec bon 1, 2, 3, 4, 5. Même avec un bon, il m'a pas. Normalement, il vient pas au cac. Il est presque au cac. Hein. Là il va me broc, il va me putsch. Bah là c'est technique de la pute que j'appelle ça. Technique de la pute. C'est les pires techniques. Voilà, viens me chercher. Salam alaikum. Hop, destin plus félation, c'est technique de la pute plus double double bon. Là, destin plus félation, il vient de lui mettre du 500 quand même, tout en le poussant à très très loin de nous et à venir encore essayer de nous rush. Ah bah ça c'est nickel, il nous rapproche encore de lui, donc ça c'est nickel. 400 chances, eh bien allez, on va se faire une petite fellation. On va se faire un petit plaisir, le petit plaisir matinal. C'est vrai qu'il a pas mal de risi haut, donc en fait ce que j'ai essayé de faire, bah avec fellation même malgré avec la roulette chance, et eh bien tout simplement ça fait pas grand chose. Bon là il va réussir à me choper. Mais je préférais pas partir trop loin non plus. Tout simplement parce que j'ai envie qu'il me chope un peu, qu'il me montre un peu son rocks, même si là il est plus du tout boosté. Voilà, il a réussi à me choper, il va se précipiter. Pression, bon, il est terre. Apparemment, il est pas dopu, donc c'est ce qui me sauve un peu, un minimum, on va dire. Ah si, il est dopu quand même, il lâche du dopu. À 300, il aurait peut-être dû même me rocks plutôt à dopu. Mais bon. Alors, un petit 2 PA qui va être quand même plutôt sympathique, et vu qu'on va pouvoir se faire un gros combo esprit à 300, plus des bluffs, 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 en essayant de tomber sur des JR. Voilà, pour le moment on a de la chance. Et là on avait moins de chance, par contre là on va... je me demande si on se barre comme ça, au moins là il peut pas nous faire de dopu. Ah, il meurt, il est plus sous vitalité. Bon bah, bravo à tout Liberta. Alors on se retrouve face à un Nosamodas, donc ça c'est plutôt une bonne chose et une mauvaise chose aussi parce qu'il est blindé de résistance. Et un Nosamodas qui va jouer avec ses invocations aujourd'hui, avec le bug des invoques, c'est plutôt mal vu. Ah mais il rocks bien, hein. Il s'est mis en mode feu ce petit Nosamodas. Il a envie de montrer qu'un Nosamodas ça peut taper aussi ou je sais pas. Alors, on va se le jouer récop, parce que j'ai envie. Alors, dans un tour. Ouh, deux dans un tour. Bah ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup, direct, on va se booster avec perception aussi. Comme ça, on va pouvoir lui mettre un gros gros rocks malgré ses grosses résistances quand même. On va pouvoir lui mettre un gros gros rocks direct et après ensuite on va pouvoir jouer beaucoup plus soft. Voilà, là, il se prend du moins 1000 déjà direct cash. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis plutôt content. 400 intelligence. Oula. Donc là, on va jouer fourbe. On va jouer au top cage. 363, 393. Et nous, on va jouer le fourbe. Hop. Chance des cas. Cash direct. On est comme ça, nous les gens. C'est pas drôle. C'est un osa feu. C'est pas un osa invoque. Oh. Oula, du moins 866, ça fait plutôt mal.
Oh là là, du moins 680. Et j'ai pas de chance, hein, sérieux. Et voilà, il me soigne avec son vieux corbac là. Ah, c'est trollé, truc de ouf. C'est trop trop moche. Alors, un petit esprit à moins 442. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je me demande si on serait pas mieux à essayer de lui mettre un Rox au destin avec des Dopu. Ouais, c'est limite mieux. Comme ça, il est à 924. Moi, au pire, je peux toujours me jouer avec contre-coup prochain tour si là il me met vraiment cher. Là, il suffit qu'il sorte avec une belle épée automée. Bon, il a plus trop de PM. Ça aurait été plutôt cool. Eh, mais ils mettent tous leur. Ah, épée Glourson, ça c'est plutôt bien. J'allais dire, ils mettent tous en mode Goulthar, là, leur corps à corps. Histoire de faire YOLO, je suis trop BG. Je suis BG dans mon potager. Ouh, 400 chances. Alors, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut que je teste. Faut que je teste voir si je peux le finir. Ouais, je peux le finir. On va lui dire GG. Parce que je peux le finir, parce que tout simplement, je peux le finir avec un bluff, mais je peux le finir aussi avec tout ou rien. Donc on va le finir avec tout ou rien, voilà. Donc voilà. Bravo à Kirbitch. Alors, on se retrouve face à Oscarnage, un petit yop donc, que je connais bien, un ex-membre de la guilde d'Anang qui est aussi un de mes abonnés les plus fidèles. Donc on se trouve en défi, hein. C'est pas une aggro, on se trouve en défi tout simplement parce que c'est un très bon yop. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc si je perds, il est quand même assez petit, donc ça m'étonnerait pas que. Ça serait pas une surprise que je perde. Alors, on va essayer de bien jouer tout de même. On va pas s'avouer vaincu directement. Il dit Ekastrigide, c'est cheat. Oui, c'est vrai que c'est un peu triché ce que je fais. Alors, on va s'occuper de son yop, son Doppel direct. En même temps, on va en profiter pour se régénérer un peu. Et bien sûr, on se booste après avoir tapé. C'est magnifique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon Doppel aille plutôt finir son Doppel. Mais bon, là, voilà, il a une roulette chance. Donc voilà, il se fait plutôt plaisir. Avec quand même deux gros bluffs à 256 et 246. Donc au moins, il a perdu 500 de vitalité en plus et il va le tuer. Ah non, il le tue pas avec la colère de Yop, je pensais qu'il l'aurait tué. Donc il est terre, il doit être terre-feu. Il a des malus sans résistance, donc il doit être même en Strigide. Ça ne m'étonnerait pas. Moi, ce qui serait bien. Bon, ce qui serait vraiment bien, c'est que j'allais finir ce Doppel qui risque de me faire chier pendant tout le long du combat, surtout. On va éviter les Dopu. Je pense que vous savez tous pourquoi on va éviter les Dopu. Par contre, voilà, on va lui mettre deux récop. Et on va éviter position Dopu. Sur la map, c'est plutôt difficile. En plus, on a fait une roulette Dopu. Voilà, hop. Là, je pense que j'ai plutôt bien évité les Dopu. On va voir. Normalement, il peut bon, il peut me choper, il peut me précipiter, etc. Ce qui m'étonnerait pas ce qu'il fasse. Voilà, il va faire bon, il va sûrement se précipiter. Et va donc me choper au deux pouces. J'ai pas regardé quand les récaps tombaient. Deux tours et trois tours, oh, ça s'est plutôt mal tombé. J'aurais préféré qu'il tombe avant quand même, quand j'étais boosté. Pouh là 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 là. Les deux pouces à moins 700, c'est cheaté. C'est complètement cheaté. Alors là, je crois que je peux pas dire autre chose. Là, si c'est pas cheaté. Ouh, roulette de PA. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. On va faire une petite chance. On va faire une petite chance. Et on va faire quoi? On va faire quoi? Je réfléchis. On va faire le combo. Bluff, bluff, bluff. Hop. Un petit destin. On tente le tout, rien. Est-ce qu'il soigne? Est-ce qu'il tape? Oh là là, il tape en plus. Oh là là là. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas de chance, je peux rien faire. Qu'est-ce que je suis censé faire contre un. Voilà.